taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing in that song. Allô tout le monde, je vous ai même pas vlogué du matin. Mais il est 10h43, là, fait qu'il y a encore le matin. C'est rare, mais t'étais levé tôt aujourd'hui. Ouais, j'étais levé tôt, puis j'avais vraiment hâte de voir petit bébé. Puis petit bébé, il va bien! Je suis trop contente! J'avais mon échographie à 10h, fait que c'était pour la clarté nucale. Ben, tu vois que bébé, il va bien. Fait que, dans le fond, c'était avec la technologue, puis elle disait que si elle voyait quelque chose d'anormal, ben elle allait aller chercher comme le médecin. Mais en fait, c'est pas ça qu'elle a dit. Oui, c'est ça. Si elle voit quelque chose qu'elle est pas sûre. Ouais, si elle voit quelque chose qu'elle est pas sûre, elle va aller chercher le médecin. Mais après, comme c'est le médecin, mais nous on l'a pas vu, mais c'est le médecin qui sûrement a pris les mesures, confirmé tout. Fait que elle nous a dit qu'il allait très bien, puis que c'est ça. Elle nous a dit qu'il allait bien, que tout avait l'air beau, on voyait hein, grandeur normale. J'ai eu exactement le nombre de temps qu'on pensait, là, fait que, parce que des fois, si t'aurais pas eu ton inflation quand t'es sorti là-bas, ben, pas au même nombre de temps. Là. Mais en tout cas, je suis vraiment à 13 semaines, 12 semaines et 3 jours. 12 semaines et 3 jours, puis c'est ça, je suis vraiment à ce nombre de temps-là. Puis c'est ça, le, elle l'a trouvé vite. Puis j'ai plein de photos, mais là, c'est ça, je suis en arrière, là, mais il va bien, il mesure 6,1 cm. Puis, oui, c'est ça, il s'est mis à bouger à un moment donné, et il a pas bougé longtemps. Il s'est mis à bouger, puis là, il a mis genre sa main, puis là, il nous a fait « Allô! » Même si Anthony dit « Mais non, il faisait pas allô, mais moi, il me faisait allô, ok? » Et que, il a fait comme « Allô » avec sa petite main, puis là, il s'est remis, il bougeait plus, puis là, il voulait le faire bouger. Fait qu'elle donnait genre des coups, là. Mais pas le donner des coups, genre elle shakait mon ventre, là, comme elle pesait, là, dessus. Mais il voulait pas, il dormait. Fait que, il était bien dans mon ventre. Fait que, il va bien, je suis super contente. Fait que, tantôt, je vais pouvoir filmer mon vidéo, là, que je vous annonce que je suis enceinte, mais je l'ai déjà faite sur mon Facebook tantôt, avec les photos. Fait que, c'est ça. Mais je vais vous le faire après, là. J'ai pas mis sur Instagram rien. Je vais mettre la vidéo en ligne en premier. Donc, c'est ça, je suis super contente. C'est ça, je sais pas, je l'ai dit, on voyait l'os nasal, fait que c'est bon signe quand on voit l'os nasal pour la trisomie. C'est ça, pour la trisomie, ouais. Fait que, on voyait vraiment son petit nez. Anthony a l'impression que c'est un gars. Il dit, après avoir vu les photos, j'ai l'impression que c'est un gars. Pourquoi? Parce que son bras est trop long pour être une fille. N'importe quoi. Il y a l'air d'un gars, tu vois, puis tu dis c'est un petit garçon, ça. Moi, j'ai l'impression que c'est une fille. J'ai vraiment dehors. Mon échographie de 20 semaines... C'est mon cas, juste des gars que c'est pas. Ouais. Je vais peut-être aller la faire là-bas, parce que je vais faire peut-être le 3D. Ok. Je vais peut-être aller la faire là-bas. J'ai hâte de voir si c'est un gars ou une fille, mais là, c'est important. Il va bien. C'est l'important, puis je suis super heureuse. Bon, tout le monde. Oui, j'ai un background Halloween parce que j'ai tourné 3 vidéos. Ouh, j'étais essoufflée. On dirait que je parlais comme vite. Donc, ouais, je pense que je parlais vite. Ok, il est quelle heure là? Il est quelle heure? Il est présentement 4h13 et en fait, quand on est arrivé, moi puis Anthony, on était vraiment fatigués. J'ai vraiment eu de la misère à dormir. Là. J'avais trop hâte d'avoir mon écho. On s'est couché. Anthony est comme « Oh, je dormirai pas. Je fais juste comme me reposer. » On s'est endormi jusqu'à 2h de l'après-midi, ok? On était fatigués. Puis on s'est réveillé, on dormait fort, là. On s'est réveillé parce qu'il s'est fait appeler pour son nouvel horaire pour la semaine prochaine, mais il a le même horaire. C'est juste qu'à chaque semaine, il appelle pour comme y confirmer son horaire. Donc, c'est ça. Là, je me suis dit « Ok, ben là, je me lève, là. Je voulais filmer des vidéos. » Et que je me suis préparée. J'ai fait mon vidéo d'annonce de que je suis enceinte. J'ai fait mon vidéo des farés du mois parce qu'on est quand même le 25, donc il faut que je l'édite puis que je mette ça en ligne. Puis, dans le fond, j'avais prévu aujourd'hui filmer mes vidéos DIY snack Halloween numéro 1, mais j'ai fait ma liste hier des choses qu'il fallait que j'aille acheter, sauf que ça ne me tente pas de sortir aujourd'hui, donc on va aller... Parce qu'il faut sortir faire l'épicerie aussi. Donc, tu sais, on va aller au Bug Barn puis à l'épicerie. Fait
Fait que on va aller faire ça demain à la place, puis je vais filmer comme dimanche sûrement. Parce que on verra pas ma face de toute façon. Fait que je me suis dit que j'allais filmer aujourd'hui l'intro et la comme outro. Je fais jamais ça. Mais pour une vidéo DIY de snack, je me suis dit que c'était bien de faire une introduction puis une conclusion. Là, parce que c'est ça. Je me suis dit que c'était mieux. Fait que on a été au Dollarama tantôt. Donc j'ai acheté cette bannière écrit Halloween, puis j'ai acheté cette guirlande de feuilles. On la voit semi là. Une même. Mais en tout cas, c'est ça. J'ai acheté ça. Puis ben, regardez, je vais vous montrer ce que j'ai acheté d'autre. J'ai faut l'ordre d'éditer mon vidéo là, parce que je vais vous le mettre en ligne. Mon autre là, celui que je vous annonce que je suis enceinte. Mais je vais juste vous montrer ça vite vite. Ok. Ce que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté. Oh my god, ça traîne. C'est dégueulasse, excusez. Donc, oh my god, veux-tu rester? Bon. J'ai acheté. Attendez, on va se sortir. On a été au Dollarama, c'est ça que je vous disais. J'ai acheté des trucs d'Halloween pour mon vidéo. Ben, j'avais acheté l'autre truc. Je me suis dit que ça allait être cute en background. J'espère que c'était cute parce que sinon, tant pis. Là. Puis on a acheté, ben Anthony il a trouvé comme trois trucs qu'il voulait là, j'étais comme oh, il a acheté des palettes de chocolat. Bon, je vais vous montrer ça, je vais juste sortir du sac. Ouais, il a trouvé trois trucs de cuisine qu'il voulait acheter. Bon, je vous montre. Donc, en fait, Anthony voulait acheter ça, qui est un tamis, moi. En tout cas, nous on appelle ça le même parce qu'on n'en avait pas. Puis des fois, c'est pratique dans des recettes d'avoir ça, donc on a acheté ça. On a acheté une autre spatule parce qu'on en a juste une. Fait que quand elle est dans la vaisselle puis on a besoin de cuisiner, ben c'est pas pratique. Pareil pour ça. On utilise beaucoup là, une cuillère en bas. Fait que une deuxième. Et acheter du chocolat. Son chocolat préféré. Puis ça, c'est un O. Henry Reese. Oh my god. OK. Donc, j'ai acheté aussi deux petites citrouilles comme ça pour déco. Là. Quand je vais faire mes DIY, quand je vais faire les recettes, je vais mettre genre des petites araignées à côté. Là. Je me suis dit comme ça, va faire Halloween. Puis des petites et des grosses. Fait que j'ai acheté eux aussi. Eux, ils brillent. Ils sont bien cute. J'ai les araignées. Bon, fait que. Oh! Regardez ça dehors. Ça commence vraiment plus à changer là, la couleur. Arc, ma vitre est sale. C'est dégueulasse. Mais regardez, c'est rouge un peu. C'est tellement beau, j'aime ça. Mais ceux qui sont ici sont genre jaunes. Je suis comme, ah oui, changez. Soyez plus orange comme en haut. C'est tellement beau l'automne. Ok, je suis en train de capoter littéralement parce que Alex vient de me texter. As-tu vu toutes les nouveautés chez Lush? À part ceux d'Halloween, comme il y en a plein d'autres. Puis là, ok, je vais être rouge comme partout parce que je vais enlever mon rouge à lèvres, mais je capote. Okay? Regardez ça. Ça, c'est sur le site internet de chez Lush. Oh mon dieu, je vais vous montrer ça. J'ai trop hâte d'aller au magasin puis de sentir tout ça. Fait que, il y a des trucs comme ça. Les deux choses ici, c'est d'Halloween. Ça, c'est un gel douche. Mais il y a plein d'autres choses, là. Regardez ça, OK. Un masque pour les mains. Une crème pour les pieds qui a l'air de sentir trop bon. Un fun, genre, trois couleurs. Ça, c'est celle-là, ouais, ça c'est tout des gelées pour la douche. Hein. J'aime vraiment bien, j'aime beaucoup ça. Puis celle-là, oh mon dieu, ce gel douche-là, il a l'air de sentir trop bon. Je pense que ça dit que c'est au bleuet. Oh my god, j'aime tellement les bleuets en plus. Celle-là, ça dit que c'est genre à la pêche, c'est sérieux? Puis réconfortant, oh my god. Genre mon prémoussant en formule gel douche, oh my god. Cet exfoliant-là, il me semble que c'est la même. Si on suit ou non, c'est la même odeur que celui qui était comme en. Peau, là. C'est pas en. Puis il avait même un gel de douche avant. Ça sent full bon. Fait que ça, c'est comme plus des trucs pour envelopper. Il y a un autre produit ici. Puis il y a les trois masques. Ça fait un petit bout qui sont sortis. Ah, oh, je capote. Genre, je capote littéralement. Puis il y a, bon, dans la section Halloween. Halloween. Il y a pas énormément de produits, mais ils ont tellement sorti de nouveaux produits. Fait qu'il y a une bombe, un pain moussant. Le gel douche, puis la. C'est vraiment cute. La gelée en chauve-souris. Puis, ben, c'est ça, il y a le fun. Excuse.
Excusez. Ok. My God. Je viens de mettre mon vidéo. Il est en train de charger. Je suis enceinte. Ouais. Il est en train de charger. Fait que j'ai édité ça. Il était long à importer. Puis Anthony nous a fait un riz frit comme... genre... ouais, mais genre asiatique. Je sais pas. En tout cas, un riz frit. Il y a des morceaux de poulet, comme vous pouvez voir. Puis les légumes qu'on avait... c'est oignon vert et carottes. Fait que c'est ça qu'il y a dedans. Anthony, ouais, il y a des œufs, mais moi, j'aime pas les œufs. Puis moi, j'ai plus de sauce, il y a pas, j'aime ça. Puis piquant, c'est bon. Je vous ai mis dans mon armoire à thé, là. On voit-tu bien? Parce que oui. En tout cas, j'aime une veste, là, parce qu'il fait frais. Il fait vraiment frais, là. On dirait vraiment l'automne, puis c'est le fun. Il est 8h40. Moi et Anthony, on a écouté, genre, 2 épisodes de Supernaturel tantôt, en mangeant. C'est full bon le riz qu'il avait fait. J'adore ça. Là. Ok, ça fait genre 4 jours que je... pas 4 jours, là, mais 3 jours que je repousse de faire le ménage en cuisine. Puis c'est dégueulasse. Genre, c'est dégueu, sérieux, parce que... il y a plein de trucs qui traînent. Et comme il y a vraiment beaucoup de vaisselle. Puis, mon savon à vaisselle, il me reste ça. Fait que... qu'est-ce que je vais faire? Hey, c'est ridicule. Je savais pas qu'il me restait juste ça. Fait que je remplis mon lave-vaisselle comme le plus possible, mais des trucs comme que je lave pas dans le lave-vaisselle. Fait que je vais. Je sais pas. J'essaie d'en mettre le plus dedans, là. Oh my god. J'ai un peu mal à la tête. Ouais. En tout cas. Je me suis mis une pince pour pas que j'aille mes cheveux d'en face. Puis, ah oui. Hier. Hier, je vais vous dire... OK. Hier, je vais vous dire... c'est ça, je pense que j'avais dit. J'avais perdu comme 4 livres, là, en fait, depuis le début de ma grossesse. À cause que je vomis, mais en fin de compte, là, hier après souper... je sais pas si je vous l'ai dit, je pense que non. Hier après souper, je me suis pesée, mais comme pas habillée, parce que quand je me suis pesée, j'étais habillée, puis genre après dîner, j'ai perdu 5 livres. C'est fou, genre, parce que... ma banane est grossie pis toute, là, c'est juste comme j'ai perdu 5 livres à cause de la misère à manger. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai passé une vidéo tantôt pis je suis bien contente. Okay, je vais vous montrer ma cuisine, mais c'est vraiment dégueulasse. Genre, checker. Ok, les montagnes de vaisselle. Là, c'est plein. Tout ça, parce que Anthony, quand il fait à manger, il laisse tout traîner, ok? Mais il fait à manger pis moi, je range. Fait que. Mais regardez, c'est. Oh my god, c'est affreux. Ouais. Bon, fait que je viens de partir mon lave-vaisselle, puis imaginez donc que même à ça, il me reste toute cette vaisselle. Ok, ben il est pas full, là, le lavabo, c'est juste des gros plats. Puis il me reste genre ce qui est dans mon cabaret. Ça, c'est propre, faut que je le range. Donc il me reste tout ça, fait que tantôt, comme j'ai pu savoir la vaisselle, tantôt je vais repartir comme un deuxième truc, parce que là, il me reste à nettoyer tous les comptoirs. Vous voyez, Anthony, quand il fait la bouffe, il y a plein de riz partout. Puis arranger tout le reste. Là, il y a encore du riz là-dedans, là, parce qu'il était chaud tantôt. Fait que, c'est ça. Bon, j'allais me coucher, genre, 1h15 peut-être du matin. Fait que, il va juste me rester à laver les comptoirs, ranger ça. Puis ça, il y a de l'huile, fait que on peut pas jeter ça n'importe où, là, l'huile qui est dans le chaudron. Fait que c'est pour ça que c'est encore là. Puis mon autre truc de la vaisselle est fini, là. Là, je vais vous montrer parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fin de compte, c'est sûr qu'on va faire la prochaine échographie. Je vais aller dans le fond à la même clinique, là, c'est au privé. Oui, faut payer. Quoique, je sais pas, peut-être mes assurances vont couvrir la prochaine. Je pense pas, là, mais en tout cas. C'est poche parce qu'ils couvrent dans le fond les échographies diagnostiques, mais tout ce qui est comme bébé, ils couvrent pas. Je trouve ça plate. Peut-être la prochaine. En tout cas, je vais appeler pour savoir s'ils la couvrent, mais peu importe, je vais la faire là-bas parce que je veux faire le 3D. Puis, même mon amie, elle m'a dit, elle a fait le 3D, puis là, son bébé, je sais pas, là, il doit plus qu'un an et demi, mais en tout cas, elle dit, là, l'échographie 3D qu'ils ont fait, c'est fou comment, genre, ça le regarde en ce moment, puis c'est, genre, le même visage, fait que je me dis, oh my god, ça doit être tellement fun, voir comme l'ombrage, voir ton bébé comme tu le vois déjà genre vraiment en 3D là. Fait que c'est ça. Puis en plus
ils vont savoir si c'est un... C'est sûr que, tu sais, ils disent normalement si c'est un gars ou une fille, mais là, avec l'échographie 3D, c'est comme, tu peux pas te tromper, genre. Tu le vois vraiment, c'est un gars ou une fille. Fait que j'ai vraiment hâte de savoir si c'est un gars ou une fille. Puis, j'ai hâte, parce que dans le fond, ça, j'ai été à... Bon, c'est écrit, clinique privée d'imagerie médicale, c'est Écomédic. Fait que ceux qui ne savent pas, ça ressemble à quoi l'échographie 3D? Regardez là en bas. Petit bébé. Fait que, en tout cas, c'est ça. J'ai vraiment hâte. Fait que j'avais pas pris mon rendez-vous tout de suite parce qu'au début, on savait comme pas. Fait que. Enfin, j'étais déjà. Dans le fond, j'allais déjà avoir un rendez-vous au public. Mais j'ai beaucoup. Parce que, dans le fond, j'avais déjà fait des échographies. Des échographies, deux échos. Quand j'ai fait ma fausse couche, puis, ben, c'est au public, là. Dans le fond, c'est à Maisonneuve, mais c'est tellement pas la même genre. Ben, là, c'est sûr que c'est pas le même genre d'expérience parce que je faisais une fausse couche, mais je veux dire, comment c'est installé, puis tout. En tout cas, là, je connais juste pour Maisonneuve, là. Je saurais pas pour les autres hôpitaux, mais j'ai vraiment préféré à la clinique privée. Fait que, en tout cas, c'est ça. Puis, c'est là que je vais aller. C'est combien ça coûte? 235, si les assurances coûtent pas. Mais. Ça vaut la peine. Puis donne un CD, puis t'as comme ton bébé, là, en 3D. En tout cas, fait que j'ai bien hâte. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de savoir si c'est un gars ou une fille. J'achète rien tant que je sais pas si c'est un gars ou une fille. Ah, c'est ça, puis j'allais dire, c'est dans la semaine du 11 novembre. Puis là, en plus, OK. Parce que ma mère, elle va venir peinturer le 15 novembre. Ça, 15 ou 14, en tout cas, c'est comme sa semaine de congé, fait qu'elle va venir le samedi, elle va peinturer. Fait que là, je me dis, si je sais si c'est un gars ou une fille, peut-être, hein, je vais choisir déjà une couleur, je sais pas. En tout cas, fait que je m'en vais me coucher, puis la table est encore un bordel. Mais c'est ça. Donc, j'ai genre ma veste, j'ai une dentaire que j'avais au cégep. c'est ça, demain, on s'en va au resto. C'est la Belle et la Bœuf. On va essayer ça. On n'a jamais essayé ce resto. On y va avec un couple d'amis. On les a pas vus depuis le mariage. Fait que ça va être le fun. Fait qu'on va aller à Montréal. Puis c'est pas mal ça. On va soit faire l'épicerie demain ou dimanche. Puis si on y va demain, ben il faut que j'aille aussi au Bug Barn. Puis je vais filmer mes vidéos d'Halloween dimanche.